8 o'clock in the morning. Too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming. Do you know what I mean? You make up your angry eyes. You stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms. I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready. It's not raining today. I'm late and I must hurry. Welcome to my way. I don't wanna wear this, I'm sorry. It's not raining today. Kill the light. I can see. Ça fait du bien de battre Chambray, mais là c'est sur deux matchs. L'idéal ce serait de les battre deux fois. Enfin, l'essentiel dans ces deux matchs c'est de se qualifier avant tout. Après ça va pas être très simple. Hein, c'est toujours Chambray et ils nous ont toujours embêtés. Tiens surtout que depuis ici, les filles sont mobilisées et ont fixé des choses vachement intéressantes. Et vraiment le sentiment que là, on est une équipe et avec des joueuses qui sont vraiment concernées par ce qu'elles ont à faire. Ça me semble vraiment intéressant. Donc je suis déjà dans la réflexion du match à venir, moi. Là. Donc forcément très très content parce que Chambray, on savait que Chambray avait la capacité à renverser des trucs pas possibles. Contre Nice, il y a quelques semaines, elles étaient menées de 8 buts en deuxième mi-temps. Elles sont remontées pour revenir à égalité. Les Hernias étaient menées de 10 buts, je crois, et reviennent à égalité. Donc, c'est une équipe avec des joueuses pleines d'expérience. Et il a fallu vraiment qu'on s'y emploie et qu'on reste très concentré pour réussir à gagner ce match, enfin. Un match aller-retour, tout est jouable, bien évidemment. On a fini 3e derrière ici, donc on ne va pas se pointer en victime expiatoire. On va au contraire essayer de défendre nos chances. Maintenant, on va dire qu'au regard des deux derniers matchs, avantage à ici et à nous d'être capables de relever ce défi. C'est sûr qu'on est contente, ça fait du bien. On arrive à trouver de la continuité, de la réussite sur les shoots. Et du coup, bah, ça nous rebooste et on est contente de cette victoire et de se qualifier pour les demi, du coup. Enfin, il fallait gagner pour accéder à la demi et pour pouvoir avoir une Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc, on a pris un match comme les autres, on l'a travaillé. Et même si c'est sûr que les années d'avant, Chambray, on avait eu du mal, bah là, les deux matchs, on a montré que c'était une équipe comme une autre et qu'on a réussi à les battre avec la manière. C'était important qu'on gagne ce match-là pour la suite. Tout, d'abord pour la confiance et même pour le groupe, en fait, pour qu'on se relance. Parce que c'est vrai que la défaite à Issy-les-Moulineaux nous a mis
un peu dans le trou et on a su se relever et c'est une bonne chose pour l'équipe. Place au demi, on part à Paris, j'espère qu'on sera relevé la tête parce que voilà, on a fait deux matchs négatifs, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment pour relever la tête et aller jusqu'à la finale, en tout cas je l'espère.